Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je m'appelle Dino Masson, je suis propriétaire d'une petite entreprise en santé physique et mentale dans le centre-ville de Montréal. Je vais vous dire un petit bonjour aujourd'hui, vous remercier énormément de vos commentaires et partages de la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Je suis content de voir que beaucoup de gens autour de moi sont aussi touchés par cette cause-là, qui est la santé mentale chez les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est super important. Faut toujours, toujours en parler. On n'en parle pas assez. Alors, j'ai une question aujourd'hui pour vous. J'aimerais ça vous poser une question. Mais juste avant, je vais vous partager d'autres statistiques que j'ai trouvées. Ces statistiques sont tout aussi alarmantes chez les entrepreneurs. Alors, la BDC, j'ai ça ici. La santé mentale des entrepreneurs se détériore depuis la pandémie. La BDC a partagé un sondage qui dit que de plus en plus d'entrepreneurs éprouvent des problèmes de santé mentale. Leur nombre serait même plus élevé que durant la pandémie. Près de 45% des propriétaires d'entreprises au Canada affirment ressentir des problèmes de santé mentale. On voit les chiffres augmenter. Les entrepreneurs rencontrent plusieurs défis qui sont susceptibles d'augmenter leur stress. On est sorti de la pandémie, mais on est maintenant en inflation. Les problèmes de santé mentale seraient d'ailleurs plus fréquents chez les entrepreneurs que dans la population générale. Ça, je trouve ça vraiment intéressant de savoir que les problèmes de santé mentale sont plus fréquents chez les entrepreneurs que la population générale. On sait que leur niveau de stress est extrêmement élevé. Alors, avec les longues heures de travail consacrées à leur entreprise, les entrepreneurs sont plus nombreux à identifier le travail, l'équilibre travail-famille comme l'une des principales sources de stress. Ça a augmenté aussi depuis. En deuxième position, c'est l'inflation qui les stresse énormément. Et en troisième position, c'est le flux de trésorerie qui est en fait, en bon français, le cash flow. Alors, voilà. Les deux tiers des entreprises, 67%, se sont sentis déprimés, une hausse aussi depuis la pandémie. Heureusement, les entrepreneurs sont plus nombreux à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et une majorité des entrepreneurs utilisent différentes stratégies pour s'adapter à la charge mentale. Parmi ceux-ci, l'exercice physique. Parfait. Ça, c'est super. Le principal obstacle qu'ils retrouvent pour améliorer, dans le fond, leur santé mentale, c'est le coût d'accès aux professionnels. Et ensuite, ils se sentent mal à l'aise de discuter de la situation. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour déstigmatiser la santé mentale chez les entrepreneurs. Alors, voilà. Ça, c'est un sondage que j'ai trouvé, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Alors, l'équilibre travail-famille, c'est un des points les plus difficiles pour les entrepreneurs qui demandent énormément. Mais de plus en plus d'entrepreneurs demandent de l'aide, puis font de plus en plus, ont des stratégies pour améliorer leur santé mentale. Alors, ma question que je veux poser, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos trucs? J'aimerais ça savoir, c'est quoi vos trucs pour vous aider psychologiquement, mentalement, dans votre travail, puis dans votre journée. Je suis vraiment très curieux, j'aimerais ça, savoir qu'est-ce que vous faites. Ça peut vous aider, vous, et ça peut aider les gens autour de vous aussi. Alors, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos trucs? Je veux savoir. Je veux qu'on discute de ça puis qu'on échange là-dessus dans les prochaines semaines, bien sûr. Alors, j'aimerais ça refaire d'autres vidéos comme ça parce que j'adore discuter. Je crois qu'avec les vidéos de cette façon-là, c'est comme une communication, comme un échange qu'on peut faire entre nous. Alors, voilà. Je veux en savoir plus sur vous. On se reparle bientôt. Ciao!